Dans les mains d'un incompétent, le pouvoir n'apporte que la ruine. Mais ouais. Depuis où quitter pouvoir tomber dans main incompétent, dans main moun qui pas même compte qui ça a fait, tout ça qu'a gagné, c'est déblosaille, c'est tête chargée. Gardez qui ça qui a passé actuellement là dans pays d'Haïti ensemble avec gouvernement Ariel Henry. Ariel Henry, son neurochirurgien. Ariel Henry, c'est opération à coulité qu'on fait l'école. Comment nous voulons pour Ariel Henry te faire l'autre bagaille dans tête pays que opération? Et opération ça, il suppose ouais sang qui a coulé la donne. Hein? Ça nous plante, c'est lui-même toutefois pour nous récolter. Je nous tout te connais déjà, l'école te gagné pour l'ouvrir jeudi 3 octobre 2022. Malgré ça, ministère éducation et formation professionnelle là pas décidé de reculer. Côté lui annoncé, oui, l'école a toujours ouvri jeudi, mais il est conscient que toutefois, pas de capacité pour toute l'école ouvrir en même temps. Et hier, te gagné au conseil des ministres, côté gouvernement promettre une situation de sécurité qui pourrait permettre Mounio rentre l'école petit à petit. En Haïti, son question de tipa, tipa. Eh bien, dans la RIA, Mounio parle bagala de la même façon. Géon militant qui déclarait, gouvernement Ariel Henry mettait 100 millions de gouttes à terre afin puis capable assassiner élève l'école dans la RIA, puis qu'à la guéchala sous deux militants qui dans la rue. Ensemble avec moi, tout à l'heure, comme ça, nous prendre connaissance de déclaration ça. Il y a un gros conflit, mesdames et messieurs, entre nombre de morts qui gagnent actuellement là, dans le retour choléra en Haïti. Selon le ministre de la Santé, il y a seulement une mort qui fait dans l'hôpital Médecins sans frontières. Mais selon le docteur Loré Adrien, il y a plus passé 5 personnes qui sont mortes en bas de choléra qui ont foyé dans la zone Port-au-Prince. Et c'est ça qui pourrait mener nous poter. Yo prophétie pour Haïti gagne 2 semaines selon prophétesse Elisabeth Pentro pour être capable de préparer parce que pral gagne un drame en dans pays ya. Nous pral tande qui ça qui pral passer dans pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, gen problème dans pays ça, surtout ensemble avec question prophète ak prophétesse sa yo. La police nationale d'Haïti frappé. Côté on mettait dormi dans le jeu Galaxy, chef gang la Tremblea dans zone Croix des Bouquets. Ensemble avec moi nous pral connait qui Jean Sali même était arrivé fait alors quand République Dominicaine des gros dégâts qui fait en une zone puisque yon haïtien t'a assassiné 3 dominicains et dominicain sa haut a décidé mettre du feu dans toute bagaille haïtien qui a vive dans zone ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur Info 5. Chaîne information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille à rubrique information ça. Et bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous même qui like, commenter, partager. Merci ensemble avec vous même qui va jamais suspendre invité yon famille ou yon amis ou venez abonner à Info 5 pour capable toujours être connecté à bon information. Jeudi à ce lundi 3 octobre 2022. Mesdames et messieurs, nous toute la ouais qui situation qui a évolué actuellement en Haïti et nous toute la connaît tout crasé brisé par peine nous pièce côté pendant nous focus sur question gaz là que barbecue lui-même li décide kebe en chef et gouvernement pour qu'on décide à le prendre l'amène faut que nous connaît l'argent américain li continue à augmenter et tout en garantie gaz tout en l'argent américain a augmenté c'est tout en la vie après vinn plus cher nan men nou et les barbecue ta resi libéré centrale Varoyan mesdames et messieurs la trois ta pour nous parce que prix produit yo pral prendre yo paquet temps pour yo descendre. Et nous tous connaissons en Haïti, pas qu'un yé qui monte et pour descendre vrai. Machine note 8 dollars, monte 50 good, gaz te mette descend, la toujours été 50 good là. Ainsi de suite, pour prix produit de première nécessité yo. Est-ce que nous avons une situation à vivre actuellement en Haïti? Géon pa kat moun ki décide, ou ge kek journaliste qui a krasé bataille peuple là, nan façon y a pari. Mais, est-ce que nous comprenons un peuple qui dit nous que gouvernement a fait une méchanceté,
Donc, Ariel Henry a gouvernement là, a créé une misère pour nous, et même peuple ça encore, a créé une autre misère pour même lui-même, ensemble avec l'autre compatriote. Imaginons Ariel Henry Dou, galon gaza à 24 dollars. Nous revendiquons, nous ne pouvons pas prendre vrai. Ça, nous ne pouvons pas accepter pour gaz là, doublé comme ça. Nous tous là d'accord sous lui. Mais imaginons vous-même, qui devez prendre la 250 gouttes, ou avant ni 600, 700, 800, 900 dollars ATA, dim qui soit voyé peuple ça al fait. Dim qui ça ou voyé moun ça yo al fait, l'on prend au galon gaz, ou vend ni 700 dollars, ou vend ni 900 dollars, alors que l'hypoco commence à vendre 114 dollars même sous marché ya. Mon chambre m'a caché dit nous ça, n'a met 6 la donne, n'a met let la donne, n'a bouel. N'a bouel! Qui est-ce qui prend 800 dollars? Qui pral mette le galon gaz? Dim ki quantité de parcours, ki quantité de moun pour chauffer moto poté pour le faire 800 dollars gaz. Nan yon pays kote moun pa sorti, nan yon pays kote se deblozay ki genye. Expliquez exactement. À cause grande carburant sa, moun yon pa ka a la chaîne a terre, gen divers entreprises qui a fermé porte yo. Et kouni gen annonce, li pap ka mette de l'eau dans bouteille encore parce que li pa gen diesel. Et c'est question de l'eau traité ça qui tourne ensemble avec choléra en Haïti encore. Genye plus passe 5 moun qui mourent dans choléra. Gen divers lot qui contractent. Donc, dim ki je nous pral faire combattre insécurité, la vie chère, maladie. Que même international ça te pote ba nous, je bat indemnise pièce haïtien, koun la jodi a la, ou tande, je pral aide, qui aide je pral ba nous. Est-ce que moun ki pote problème nan ba nous, ka pote solution ba nous vre? Jamais. Je gi solution nan me yo, me a ba nous timiyet, jamais ba nous bon solution. Hein? Donc c'est ça nous supposé comprendre là. C'est un consensus pour nous joindre dans le pays. C'est un accord politique pour nous joindre. Nous ne sommes pas supposés faire bataille peuple à tourner, bataille politique. Nous ne sommes pas supposés faire bataille peuple à tourner, bataille économique. Nous comptons nous profiter de faire tout ça nous connaissons. Garde ça, Moïse, je change l'affaire dans le Nord. Garde ça qui a passé dans Port-au-Prince à l'équilibre. Quand les gens eux-mêmes, ils mettent tête ensemble pour craser le combat, le peuple a mené pour être capable de jouer la vie meilleure. Est-ce que le peuple a jamais joué la vie meilleure? Jean Bagayo a déroulé à là. Et, dis-moi qui la vie meilleure, le peuple a lui-même, il pourra le joindre. Et bien, mesdames et messieurs, ministère éducation et formation professionnelle là qui gagne en tête li Nesmi Maniga toujours que ben ouverti classe là pour jeudi 3 octobre 2022 comme ça tout gagne diverses écoles tant que Saint-Louis de Gonzague tant que Canado cette cause de Lima qui fait connait l'école là a quitté porte qui fermé jusqu'à nouvel ordre. Qui ça nouvel ordre veut dire? Est-ce que c'est le gouvernement bail autorisation pour ouvrir ou du moins y a gardé qui genre situation lui-même li a évolué bien avant ça. Donc, te gen un conseil des ministres qui fait ailleurs 2 octobre 2022 a fait puis te capable chita sous question sécurité a qui gens yo pral assurer sécurité parents ensemble avec élèves qui pral gagner pour aller l'école. Ça pas problème. C'est sous qui ça élève ça pral l'école parce que pas gen gaz, pas gen machine. C'est ça qui plus gros problème nan avec il est. C'est ça qui plus gros problème non à l'équilibre. Et mais il y a un militant qui a annoncé Ariel Henry déposer 100 millions de gouttes à terre afin pour être capable de tirer sur l'élève l'école et puis la guéchala sous dos moun kap manifesté dans la rue ensemble avec moi entendez arabe là. Criminel qui est en tête li Ariel Henry, il a indexé 100 millions de gouttes à terre pour assassiner ces élèves l'école yo demain si mon Dieu veut pour le cas dit. Ces militants politiques, ces manifestants qui tirent les élèves. C'est peut-être ça que nous disons tous les parents, haïtiens, haïtiennes. Qui est-ce que nous avons nous? Je dis, même si l'État n'a pas ouvert, Ariel Henry demande que l'école a ouvert. Nous gardons nous grands ministres de l'Éducation nationale qui sont papa créés. Toute la sainte journée qui a défilé devant Michel Martelly à un petit kilomètre de tanga. Il est nécessaire pour nous Ariel Henry en bas. Je dis, c'est bataille. Révolution qui a continué, bataille libération qui a continué. Et nous disons, mais pas ici, qu'est-ce que nous nous l'accueillons? Nous ne pouvons pas prêcher violence. On m'a dit, même Jean-André Michel Lecondi, écrit notre monde à Bablabé, Babdil. Qu'est-ce que nous nous l'accueillons? Tout est en Ariel, pas remettre pouvoir, pas bien ouvert l'école. Et puis, je dis à même, depuis le 4 ans,
tout corridor pas de barricade pour des barricades. C'est barricade là qui va sauver nous. C'est barricade là qui va aider nous, gérer bataille nous. Je dis à vous, assassins criminels, vous ne pouvez pas continuer à assassiner nous. Barricade nous, continuez à monter barricade nous. Puis vous, dans tout cas, c'est vos milliers. Et puis vous faites midi, monter barricade nous. C'est caoutchouc nous. C'est l'ICAPA nous. Libération pays. Ok, ok, merci. Nous sommes ensemble. Mais ça qui est actuellement à terre. Et nous connaissons ça qui dit, la difficile pour nous vérifier est-ce que c'est la vérité ou dis-moi est-ce que c'est pas la vérité. Est-ce que c'est pas une manière qui a fait pour l'école là pas l'ouvrir dit tout. Et nous, tout le temps, connaissons l'école là pas ouvrir dans la situation ça ouvre. L'école là pas ka ouvri Jean Bagayoé à la vraie mais ou quoi Ariel Henry t'a gain assez audace pour t'a faire tirer sous élève l'école pour t'a mettre sous deux manifestations ça nous pas connaît. Puis devant mesdames et messieurs nous gagnons un nouveau prophétie entre parenthèses pour pays d'Haïti et prophétie ça dit un paquet bagaille qui donc laissez pas ou gagne prophétie c'est toujours celle l'église qui gagne prophétie. Et oui, c'est l'église qui a plus prophétie pour le pays d'Haïti. Et s'il vous plaît, c'est prophétie qui va jamais botter bonne nouvelle. Entendez ensemble avec moi, c'est Elisabeth qui te fait 6 jours sans manger. Et sous 6e jour, vous voyez qui vient parler avec elle, qui vient raconter ça nous prend le temps de là. Je quitte vendredi 29 septembre de la matinée au début de l'aurore vers 3h du matin. L'Esprit bon Dieu vient parler avec moi en songe. Il était translaté spirituellement et il a parlé avec moi pour te dire comme ça. Ou bataille en pile, malgré que vous ne compreniez pas tant sou. Il était voyé dans Jérémie 13, Jérémie 14. Et je recevoir la dimension spirituelle tout ce jour-là. Et puis il était parlé avec moi dans Isaïe 43, dans Isaïe 53 pour pays. Il était dit que pays en sous grâce. Vu avec un événement catastrophique, prophétique sur Haïti, que Haïti va le détruire, c'est un tiers de la population qui a vivre. Il était dit que l'enlever et punition ça. Donc c'est une raison qui fait que pas vraiment gagner une grande catastrophe. J'aime en attendre que pas le grand pile qui va mourir, malgré qu'il y a continué de mourir, puisque le Seigneur a dit son nettoyage l'a fait. Mais il n'est pas fait d'une manière catastrophique. J'ai tout le monde attend soit son bombe qui tombe sur Haïti et puis tout le monde mourir. Et non, et Dieu fait grâce. Sauf que lui dit que les virés yeux vers le grand cap, vers le grand nord, pardon, et gagne un pile malheur sur le nord parce que Dieu pas trop et penché parce que lui dit qu'il y a un pile leader politique, un pile parti politique, un pile monde qui fait un pile gros intervention mystique sur vers le nord donc li pas la petite gain un pile bagage qui va le passer li pas dire c'est tremblement de terre ni c'est tsunami mais au cap pral compte quelques petits désastres dans jour ça en plus li dit que c'est pas vers le grand sud précisément les cailles pour mettre ville principale pays d'Haïti. Donc, ville principale pays est supposé pencher ici vers le grand sud. Et il m'a dit un désarmement total vers les groupes gangarisés pour faire la paix, pour déposer les armes parce que les peuvent souffler. Ils ont souffle de paix sur Haïti. Ça fait ces 3 pays internationaux qui peuvent établir sécurité, mais avant que l'établissement de sécurité, il a porté avec quelques esprits de malheur, tout cap tombé sous pays, il y a quelques maladies qui prennent envahir le pays, il y a quelques autres désastres. Ça veut dire que notre triage là toujours, donc il y a plusieurs façons, il y a plusieurs plaies que le Seigneur a accordé pour les gens qui pas obéir toujours, les gens qui pas te dévoiler pour les victimes, et puis ce sont les plus justes qui seront sauvés. On parle de 3 pays qui viennent pour vienne développer Haïti ou vienne établir l'ordre et sécurité. Développement ça, est-ce que c'est un développement général et pays ça yo ou pas dit non pays ça non ça pas ou pas ka citer non. Nous gagnons jusqu'à 2 semaines d'après ça bon Dieu montre selon moi-même parce que même apôtre Paul te qu'on a parlé tout ça c'est selon l'esprit il a parlé tout selon lui-même tout ça c'est selon lui-même moi-même selon moi-même d'après Jean bon Dieu t'es cortiqué quelques révélations bon moi il y a tout qui était codé c'est ça que fait me dire selon moi-même dans 2 semaines approximativement tu as supposé gagner des forces
armée internationale sous territoire. Il a fini avec triple mission, mais il a fini tout avec malheur. Parce que gagné qui a venu et puis ou après gagné des maladies qui étaient déjà a fait pousser dans le pays et puis qui a retourné encore et c'est ça qui fait nous dire mon prudent mettez de l'eau la caillou de l'eau traitée toujours kembe et principe hygiène yo pas bailler mon la main et puis traiter tout ça qui a fait la caillou avec chlore parce que c'est Haïti sous châtiment bonjour là on pays sous châtiment même le en dedans châtiment il a joint grâce. Mais Dieu pas passé pour un faux Dieu. Donc ça que les dit, il doit être accompli. On a demandé ministre PM pour lui faire façon, pour lui voir qui ça est capable faire pour remettre pouvoir parce que ensemble avec gouvernement ça Haïti a connu plus misère que jamais. Merci. Madame ça nous saute garde là, c'est madame Jésus. Nous va poser une question, comment fait madame Jésus? Comment fait ça Elisabeth connaît c'est Jésus qui t'est venu par la veille. Vois ça elle t'endea, c'est voix petite bon Dieu ya. Vois ça elle t'endea, c'est voix messier qui t'est venu sacrifier sous bois la croix pour être capable de sauver l'humanité qui jusqu'à présent là condamné dans guerre, en bas maladie, en bas grand goût, en bas la vie chère, en bas insécurité. Mais ni papa, c'est madame Jésus. Donc c'est Elisabeth déclaré que il y a trois forces internationales qui pourraient venir diriger le pays d'Haïti et apporter ensemble avec eux quelques malais. Donc, le peuple haïtien n'est plus souverain. Donc, trois forces internationales, ça y est, c'est eux-mêmes qui prennent des capacités pour être capables de changer l'histoire du pays d'Haïti. Ou faire conférence de presse, ça, il y a 2 octobre 2022. Octobre, c'est moi qui ai été assassiné, Chalmal Peralta, qui était copé contre l'occupation américaine. Non, moi ça c'est moi mentir que lié pour peuple haïtien. Et c'est là que ouais, force internationale pour venir diriger pays d'Haïti. Pas de problème sœur Elisabeth. Sœur Elisabeth parle de yo ancien sénateur mesdames et messieurs qui a des choses pour être président pays d'Haïti mais il pas tendé, il pas coûté, il pas complété tout ça il était pour faire pour bon Dieu, tu es capable de choisir donc il pas des chances encore qui donc c'est Lambert qui shooté dehors. Il pas fait personnalité mais nous tout connaît c'est Lambert qui shooté dehors mesdames et messieurs. Et selon la reine Elisabeth, fac Ariel Henry démissionné et pays d'Haïti si pral connaît un moment qui compliqué puisque pas de président, pas de transition, pas de gouvernement, c'est pral même gens les peuples israéliens te gagné yo total désordre dans mitan yo. Mais quête. Mais on dirait ces pays d'Haïti que te Israël dans moment. Ça qu'a passé là. Gile ces peuples haïtiens qui piquent dans Bible là. Parce que m'baka comprend toute journée go prophétie sous pays d'Haïti. Toute journée Jésus a vinn parler ensemble avec haïtien. Mais qui peuple qui plus a passé misère sous la terre, c'est peuple haïtien. Qui ça qu'a passé exactement sœur Elisabeth? Nous pas capable comprendre sœur. Hein? Donc ça veut dire c'est remet Jésus remet nous comme ça, c'est remet bon Dieu remet nous comme ça qui la cause que insécurité ça, moun a mouri chaque jour, la faim, maladie, c'est ça qui passé ou du moins c'est parce que nous t'ai fait bon Dieu mal, bon Dieu a fait nous payer mal nous t'ai fait. Mais Jean-Saint Elisabeth parlait à là mon cher, mais pays a glé pour changer oui. Pays d'Haïti qui va changer. M'songe te gon prophétie, c'est Aristide qui va venir président, faut qu'il contacte Jacques Edouard Alexis et pas comme ça bagarre te dit Gérard Alexis. Bon, mes amis même oublié oui. Même Jacques Edouard Alexis. Hey. Prophétie tellement pile dans tête m'brouillé oui. Ou comprendre? Faut que c'est pasteur Muscadet. Ou comprendre qui qu'on a prend 1000 goud pour guérir moun nan Shalom, faut que c'est lui même qui lave palais, faut qu'Aristide lave pays ya, mais qu'on y a là autant de pays a pral faire jou sans président sans gouvernement. Bon qui ça pour nous quoi même? Définitivement, qui ça pour nous quoi même nan cause ça yo? Donc nous tande prophétie sœur Elisabeth là, après 6 jours sans manger,
Bon Dieu t'es venu parler ensemble avec lui. Bon Dieu dit, mais qui ça pour parler ensemble avec le peuple haïtien qui doit préparer nous parce que bagala pral compliqué. Non, mais nous. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons haïtiens qui continuent à faire causer en République dominicaine. Côté nous gagnons, yon haïtien, mesdames et messieurs, qui t'a arrivé tout hier dimanche 2 octobre 2022, trois Dominicains dans Puerto Plata, pays dominicani. Victime yo se Juan Jose Soto Corniel, ak yon employé qui se Gilberto Toribio, et puis yon fi yon poko capable rive identifié. Et bien après Zak Sila, mesdames et messieurs, Missa Dominique lui-même li fait tout kaye plusieurs haïtiens qui te à vivre dans zone Puerto Plata. Comprenez? C'est la gade à la, c'est la caille haïtien, yap mette du feu. Mette bagay de yo, mette matelas de yo, boule parce que haïtien ta arrivé touye, toi Dominique. Ça qui pide dans l'histoire, c'est que nous pouvons gagner bon version de FA pour nous connaître. Est-ce que c'est haïtien qui entend? Est-ce que c'est Dominique qui entend? Donc, dans le moment où on a parlé à la, derrière lui-même, la continuer entre haïtiens ensemble avec Dominique en République Dominicaine, pendant que en République Dominicaine, ça même, des divers patriotes qui mettent pied au terre, puis capables de manifester, puis on a des communautés internationales là, voyager au sous-pays d'Haïti, parce que le pays a fait face ensemble avec une situation qui est compliquée. Et c'est là, mesdames et messieurs, nous débutons ensemble avec rubrique tout pour aujourd'hui. Merci d'être que vous te like, commentez, partagez. Et merci d'être que vous te invité en famille ou en amis. Venez abonner ensemble avec InfoSec pour être capable toujours gagner bon information. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.